À Rover 600, une gamme exclusive de berlines 4 portes, synonyme de classe, prestige, qualité hors pair et de performance puissante sans manquer pour autant de finesse. La ligne des modèles comprendra initialement trois dérivés de la série de litres les 620 SI, SLI et GSI. À celle-ci viendront bientôt s'ajouter la 620 I. Et les deux modèles haut de gamme, la 623 Si et la 623 GSi. Dans cette vidéo, nous aborderons la transmission, la suspension, la direction, les systèmes de freinage et l'airbag qui équipent la série Rover 600, ainsi que certaines des caractéristiques de l'équipement électrique et de la carrosserie. Nous commencerons par un premier coup d'œil au compartiment moteur. Sur les conduites à droite, le maître cylindre et le réservoir de liquide du circuit de freinage sont à l'arrière droite du compartiment moteur. Sur les véhicules à boîte manuelle, le réservoir de liquide d'embrayage est monté au même endroit. Également à côté du maître cylindre de frein, on trouve le boîtier principal des fusibles et relais. Sur les modèles à ABS, vous trouverez également un autre boîtier fusible à l'avant de la suspension. Ce boîtier abrite les fusibles de l'ABS ainsi que le relais de pompe d'ABS. Devant la batterie, vous trouverez le vase d'expansion du circuit de refroidissement. Sur le côté gauche, vous trouverez le réservoir à liquide de lave-glace, le déshydrateur de la climatisation si le véhicule en est équipé, le réservoir de liquide de direction assistée et derrière celui-ci, sur le dessus de la doublure d'aile, la plaque d'identification du véhicule. À l'arrière encore une fois sur les modèles équipés, l'ensemble modulateur de l'ABS. Le compartiment moteur des conduites à gauche est très similaire, même si, pour des raisons évidentes, les médecins de frein et d'embrayage et l'ensemble modulateur de l'ABS sont intervertis. Passons au groupe motopropulseur. On voit que la jauge est à l'avant du moteur, qui lui-même fait face au côté gauche de la voiture. Le numéro de série du moteur est frappé sur la face avant du bloc, alors que le numéro de série de la boîte, qu'elle soit manuelle ou automatique, est inscrit sur un autocollant à causer sur la face avant du carter de boîte. Les trois moteurs utilisés dans cette série sont des nouveautés, mais vous ne manquerez pas de noter une ressemblance frappante avec le moteur 1,6 litre déjà vu dans les revers modèles 216 et 416. Le moteur 2 litres 16 soupapes à arbre à cam en tête qui équipe la 620i développe 115 chevaux à 5300 tours-minute. Le moteur monté sur les modèles 620SI, SLI et GSI est une version à haute compression du même groupe. Des profils de cam différents alliés à 10 pistons différents qui produisent une plus forte compression, résulte en une puissance développée supérieure de 131 chevaux à 5400 tours minute. Le troisième et dernier groupe motopropulseur utilisé sur les modèles 623 est le modèle 2Lit3 à deux arbres à cames en tête. Ce moteur développe pas moins de 158 chevaux à 5800 tours minute. Les trois moteurs sont équipés de blocs produits selon une nouvelle méthode de fonderie sous pression appelée NDC. Selon cette méthode, l'aluminium en fusion est injecté dans le moule à une pression inférieure à ce qu'elle est dans le procédé habituel. Cela permet un meilleur contrôle du refroidissement et de la solidification, ce qui se traduit par des pièces de fonderie de très haute qualité. Poursuivons. Les trois moteurs reçoivent un joint de culasse multicouche. Ils ont tous quatre soupapes par cylindre. Aucun n'est sécurisé si le calage de la distribution est mal réglé. Ils tournent tous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le jeu aux soupapes est réglable sur tous. Et ils se règlent de la même façon que sur les moteurs en lit 6. Litres. Tous les moteurs utilisent le système de commande électronique du groupe motopropulseur perfectionné et éprouvé PGM FI. Et enfin, ils comportent tous deux arbres d'équilibrage entraînés par courroie. Ces composants ont été introduits pour améliorer l'agrément de conduite et le confort. Ils sont entraînés chacun dans un sens différent à deux fois la vitesse du vilebrequin. Leur fonction est d'aider le vilebrequin à absorber les vibrations du moteur produites par le mouvement réciproque des pistons alors qu'il montent et descend dans les alésages de cylindres. La tension de la courroie de distribution et de la courroie d'entraînement des balanciers est contrôlée individuellement par des tendeurs séparés de type semi-automatique. Ces pièces sont montées au même emplacement et sont toutes deux fixées par un seul écrou. Pour permettre de retendre une seule courroie, la poulie de tondeur de la courroie de distribution peut être bloquée en position à l'aide d'une vis de 6 mm. Les deux courroies doivent être remplacées après 100 000 km ou tous les 5 ans, mais à part ça, elles ne nécessitent aucun entretien. Jetons maintenant un coup d'œil à quelques caractéristiques uniques au moteur 2 ,3 litres 3. Premièrement, le bloc a des passages d'eau beaucoup plus petits. Cela signifie que la face usinée supérieure du bloc a une plus grande surface pleine. Lorsqu'on la compare à la surface plus ajourée du 2 litres, on peut voir à l'évidence que les passages d'eau occupent une surface beaucoup plus réduite. Le résultat en est que le bloc de 2 ,3 litres 3 présente une rigidité encore supérieure. Une autre caractéristique spécifique au bloc de 2 litres 3 sont les chemises en intérieur remportées de fibres. Ces chemises sont construites avec un mélange de fibres de carbone et d'oxyde d'aluminium auquel est donnée une forme cylindrique. L'aluminium liquide pénètre ces fibres comprimées pendant le procédé de fonderie, créant ainsi des chemises qui, comparées aux chemises classiques en fonte, offrent moins de frottement, une meilleure résistance à l'usure se dilatent moins lorsqu'elles sont chaudes, dissipent mieux la chaleur et fournissent au concepteur du moteur le luxe d'être en mesure de rapprocher les allésages des cylindres les uns des autres. un mot d'avertissement cependant les chemises renforcées de fibres sont très sensibles à l'abrasion et facilement endommagées. il faut donc prendre le maximum de soins lorsqu'on travaille à proximité des allésages. Tous les modèles Rover 600 sont maintenant équipés de supports moteurs à amortisseurs hydrauliques. Chaque support moteur fonctionne comme un amortisseur et se compose de deux chambres remplies d'huile hydraulique connectées par un petit passage. Les vibrations du moteur sont absorbées dans le support par l'huile alors qu'elles circulent d'une chambre dans l'autre. Parce que le mouvement du moteur est souvent plus important sur les véhicules équipés d'une boîte automatique, ces véhicules utilisent un support moteur hydraulique à commande électronique. Encore une fois, le support se compose de deux chambres remplies d'huile connectées par un passage, mais dans ce cas, la taille du passage peut varier. Au ralenti, le passage est plus grand et permet à l'huile de circuler facilement entre les deux chambres. Cela rend le support plus souple et accroît son action d'amortissement. Dès que le régime du moteur augmente, la taille du passage est réduite par le mouvement d'un tiroir rotatif intégré au support moteur. Cela réduit le passage d'huile d'une chambre dans l'autre, ce qui a pour effet d'affermir le support moteur, qui se comportera dès lors comme un support moteur hydraulique normal toutes les Rover 600 utilisent le système éprouvé de commande du groupe motopropulseur PGM-FI qui contrôle avec précision le calage de l'injection et le calage de l'allumage par le biais d'un module de commande électronique ou ECM situé sous le tapis de sol dans l'espace réservé aux jambes côté passager. À quelques différences près au niveau de l'autodiagnostic et de certaines caractéristiques du moteur à double arbre à en tête, le système est quasiment identique au système PGM-FI que vous connaissez déjà. Un détail à noter cependant, tous les modèles Rover 600 sont équipés d'un interrupteur d'alimentation monté derrière le cendrier de la planche de bord qui coupe l'alimentation de carburant en cas d'impact soudain. La première des nouvelles caractéristiques du système PGMFI que nous allons considérer est le collecteur d'admission variable, que l'on trouve uniquement sur le moteur de l'IT3. Ce dispositif affine le rendement du moteur et contribue à produire le couple maximal dans toutes les conditions de conduite. Il y parvient en maintenant en permanence un fort débit d'air à l'admission. A bas régime, dans le cas qui nous concerne moins de 4800 tours minutes, il remplit cette fonction en emmenant l'air au moteur par un conduit long et mince. Pour maintenir un débit d'air suffisant lorsque le régime du moteur dépasse 4800 tours-minute, le module de commande électronique ouvre les papillons qui permettent à l'air d'admission d'emprunter les passages plus courts et de plus gros diamètres. Le collecteur d'admission comporte également une soupape de suralimentation. Cette soupape apporte une quantité d'air supplémentaire au moteur lors du lancement et immédiatement après le démarrage. Cette aire supplémentaire permet la combustion du carburant supplémentaire injecté à ce stade pour faciliter le démarrage, réduisant ainsi les rejets polluants. Toujours dans le domaine de l'antipollution, toutes les rovers 600 sont équipées d'un pot catalytique à trois voies fonctionnant en circuit fermé et d'une sonde à oxygène saufante. Montée dans le collecteur d'échappement sur les deux modèles 2 litres et dans le tuyau de descente sur le 2L3, cette sonde contribue à réduire les rejets polluants en atteignant sa température de fonctionnement de façon très rapide. La dernière caractéristique que nous allons considérer est encore une fois unique au 2L3. Il s'agit du collecteur d'échappement à double circuit. Ici, les tuyaux d'échappement des cylindres numéro 1 et 4 et les tuyaux des cylindres 2 et 3 sont regroupés en paires avant de se rejoindre à l'embouchure du tuyau de descente. Cette configuration réduit la contre-pression dans le système d'échappement et offre également l'avantage d'amener plus rapidement le pot catalytique à sa température de fonctionnement. Voyons maintenant la partie autodiagnostique du système. Si une panne se produit dans une partie quelconque du système contrôlé par le module de commande électronique PGMFI, le témoin orange s'allume sur le tableau de bord. Le code de panne, ou code de diagnostic comme il convient de l'appeler maintenant, est alors indiqué par le même témoin orange sur le tableau de bord. Pour obtenir le code de diagnostic, il convient d'abord de localiser le connecteur de service et d'y connecter un pontage. Vous le trouverez à mi-hauteur du montant A, gauche, sur les modèles conduites à droite et du côté opposé sur les conduites à gauche. Une fois le pontage en place, il suffit de mettre le contact et de compter les clignotements. Les clignotements brefs indiquent toujours les unités, alors que les clignotements prolongés indiquent les dizaines. S'il y a plusieurs pannes, le module de commande électronique marquera une pause d'environ 2 secondes entre chaque code de diagnostic. Un index complet des codes de diagnostic est publié dans le manuel de réparation. Pour effacer la mémoire du module, il suffit de retirer le fusible de sauvegarde de 7A5 dans le boîtier à fusible du compartiment moteur et d'attendre plus de 10 secondes avant de le reposer. On peut utiliser les systèmes MicroCheck et Microlink pour effectuer un diagnostic plus poussé du système PGMFI si cela est nécessaire. Enfin, un mot sur la mise au point moteur. Comme sur les autres systèmes PGMFI, une vis de réglage du ralenti, montée sur le boîtier de papillon, permet de régler le ralenti de base. Le calage de l'allumage, pour sa part, peut être réglé en desserrant et en faisant pivoter l'allumeur. En résumé, les principales caractéristiques des nouveaux moteurs sont les suivantes. Les blocs en alliage sont produits selon une nouvelle méthode de fonderie. Tous les moteurs 2 litres et 2 litres 3 sont dotés de balanciers qui affinent le fonctionnement. Le bloc cylindre du 2 litre 3 se caractérise par des chemises renforcées de fibres et des passages d'eau plus petits. Toutes les reversissants sont dotées de supports moteurs hydrauliques à commande électronique sur les versions automatiques. Le moteur de l'I3 comporte une admission variable, une soupape de suralimentation et un collecteur d'échappement à double circuit. Toutes les 600 sont équipées de sondes à oxygène chauffante. L'autodiagnostic du système PGMFI est produit par l'intermédiaire du connecteur de service et les codes de diagnostic sont affichés au tableau de bord. Voyons maintenant les boîtes de vitesse. La même boîte 5 vitesses à commande manuelle est utilisée sur toutes les versions de la 600, mais les rapports de démultiplication en 3e, 4e et 5e varient d'un modèle à l'autre. La boîte a été développée à partir de la boîte qui équipe les gammes 216 et 416. Pour affiner la qualité du passage, les synchros de 3e et 4e ont été améliorés. Un frein a été ajouté sur l'arbre secondaire pour éliminer le grincement des pignons qui se produit parfois lorsque l'on enclenche la marche arrière. Le frein agit durant le stade initial de la sélection, au moment où le nouvel anneau de synchro, qui est verrouillé sur l'arbre secondaire par l'intermédiaire du manchon de synchro, est poussé contre une bogue conique, elle-même verrouillée sur le carter de boîte par une bague d'arrêt. Ce dispositif freine l'arbre secondaire et l'immobilise, permettant ainsi un enclenchement net de la marche arrière. A noter également qu'au lieu de tiges d'acier, deux câbles sont utilisés pour connecter le levier de vitesse à la boîte, un câble de passage et un câble de sélection. La révision des câbles se limite à une simple lubrification, et en cas de problème affectant l'un de ces câbles, remplacez toujours la paire et le logement. voyons maintenant la boîte automatique. la gamme est équipée de la boîte e4at à quatre rapports et à commande électronique avec verrouillage automatique du convertisseur de couple. et bien que la technologie utilisée soit très similaire à celle des boîtes précédentes, la construction diffère quelque peu. en plus de l'arbre primaire et de l'arbre secondaire, elle comporte un arbre supplémentaire que l'on appellera l'arbre intermédiaire. cette construction à trois arbres renforce le caractère compact de cette boîte. Une autre nouveauté est le levier sélecteur à cette position. Les positions habituelles parking, marche arrière et point mort sont complétées par D4, équivalent à D ou conduite sur les autres modèles. Dans cette position, la montée des rapports et la rétrogradation se produisent automatiquement sur les quatre vitesses et le verrouillage du convertisseur de couple est opérationnel en seconde, troisième et quatrième. En D3, le changement de rapport se produit uniquement sur les trois premiers rapports et le verrouillage du convertisseur de couple est limité à la troisième. Le mode Sport, qui retarde le passage au rapport supérieur, est également disponible en D4 et D3. La position 2 donne uniquement la seconde et le frein moteur. Enfin, la position 1 donne uniquement la première et le frein moteur. L'enclenchement et la commande des vitesses sont pilotés électroniquement par le module de commande de la boîte ou TCM. Ce module est monté du côté passager à côté du module de commande électronique PGMFI et il comporte également un système d'autodiagnostic. Dans ce cas, le témoin S s'allume sur le tableau de bord en cas de panne. Lorsque l'on court-circuite le connecteur de service, le témoin clignote pour produire le code de diagnostic. N'oubliez pas, les circuits du système PGMFI et de la boîte 4AT sont interconnectés, ce qui veut dire que certaines pannes du système PGMFI allumeront le témoin S. Donc contrôlez toujours très soigneusement la panne qui est indiquée. Pour effacer la mémoire du module de commande de la boîte, retirez le fusible de sauvegarde dans le boîtier à fusible monté sous le capot et attendez 10 secondes avant de le reposer. Comme pour le système pgm -infi, le micro-check et le micro -link vous permettront d'effectuer un contrôle encore plus poussé du système. Enfin, notez que sept points différents sont prévus de façon stratégique sur la transmission pour mesurer la pression. Cela vous aidera à diagnostiquer et localiser précisément les pannes lors du diagnostic. Récapitulons rapidement les principaux points d'intérêt de ces boîtes. La boîte à 5 vitesses à commande manuelle utilisée sur toutes les 600 est dotée de rapports différents. Sa capacité de synchronisation en troisième et quatrième a été améliorée. Un frein a été rajouté sur l'arbre secondaire pour permettre l'enclenchement net de la marche arrière. Des câbles sont utilisés au lieu de tiges pour le passage des vitesses. La boîte automatique utilisée est le modèle E4AT rendu plus compact par sa configuration à trois arbres. Elle est dotée d'un nouveau sélecteur à sept positions qui offre l'option du maintien en première. Le module de commande de la boîte comporte un dispositif d'autodiagnostic commandé par l'intermédiaire du connecteur de service qui affiche le code de diagnostic sur le tableau de bord. Poursuivons. Tous les modèles reversissants sont équipés d'une direction assistée progressive qui fonctionne de la même façon que la direction utilisée sur la gamme 827. Le niveau de liquide hydraulique dans le réservoir, que l'on doit contrôler moteur froid, doit être complété en utilisant uniquement du liquide de direction assistée Unipart. Les procédures de contrôle et de dépistage des pannes de direction assistée sont contenues dans le manuel de réparation. Autre point important, les véhicules équipés du système de retenue supplémentaire comportent un airbag monté au centre du volant de direction. Lors du travail sur ou à proximité de la colonne de direction, il convient donc de toujours appliquer les consignes de sécurité contenues dans le manuel de réparation pour éviter tout déclenchement accidentel de l'airbag. Une suspension à double triangulation est utilisée à l'avant et à l'arrière de la Rover 600. Sa conception lui permet d'absorber les forces d'accélération, de braquage et de freinage tout en maintenant les roues aussi perpendiculaires que possible à la surface de la route. Cela maximise l'adhérence et améliore le guidage. La suspension avant est constituée d'un bras supérieur en acier embouti à la presse, d'une rotule, d'un bras oscillant inférieur, d'une barre d'accouplement, d'un ensemble amortisseur combiné gaz hydraulique et ressort hélicoïdal et enfin d'une barre stabilisatrice. Le roulement de roue est intégré dans un logement boulonné sur le pivot et se remplace un ensemble complet. Enfin, le tout est complété par un flasque et un disque de frein classique. L'angle de carrossage de la suspension avant n'est pas réglable, mais si cela est nécessaire, l'angle de chasse lui peut être modifié en ajoutant ou en enlevant des cales à la barre d'accouplement avant. Le parallélisme se règle de la façon habituelle en agissant sur les tirants. Voyons maintenant l'arrière. Ici, la suspension se compose d'un bras supérieur, d'un ensemble fusée qui reçoit le roulement de roue et le moyeu, de deux bras inférieurs de longueurs inégales, d'un ensemble combiné amortisseur gaz hydraulique et ressort hélicoïdal, d'un bras tiré et encore une fois, d'une barre stabilisatrice qui sert à améliorer les caractéristiques générales de tenue de cap. La longueur et la forme inhabituelle de la fusée arrière permettent de déplacer davantage le bras supérieur vers l'extérieur, ce qui a pour résultat d'agrandir le volume du coffre. Vous verrez que les bras supérieurs sont frappés d'un L ou d'un R qui indique s'il s'agit du gauche ou du droit. Les arbres inférieurs plus longs et plus courts sont également identifiés et doivent uniquement être montés dans leur position correcte. Le boulon de fixation intérieur du bras inférieur plus court comporte deux épaulements excentrés. La géométrie de la roue arrière peut ainsi être réglée en desserrant l'écrou et en tournant tout simplement le boulon qui tire le bras vers l'intérieur ou le pousse vers l'extérieur. Enfin, deux consignes de sécurité. Si vous travaillez avec la voiture soulevée sur un pont et que vous avez l'intention de déposer une partie ou l'ensemble de la suspension arrière, veillez à placer un poids dans le coffre pour compenser le déséquilibre entre l'avant et l'arrière. Si vous remplacez un amortisseur, faites toujours chuter sa pression en perçant un petit trou dans le cylindre placé en position horizontale avant de mettre la pièce au rebut. Passons maintenant au frein. Les Rover 600 sont équipés d'un système de freinage cerveau assisté classique, connecté en diagonale, avec disque ventilé à l'avant et disque non ventilé à l'arrière. Le système d'anti-blocage ABS6 est monté sur les véhicules équipés de l'option anti-blocage de roue. Là encore, il s'agit d'un système qui partage de nombreuses similitudes avec les systèmes ALB déjà vus sur les modèles Rover précédents et pratiquement identique au système ABS6 utilisé sur les Rovers séries 216 et 416 années modèle 93. Comme ses prédécesseurs, ce système est commandé par un module électronique que vous trouverez dans le coffre, en compagnie des relais du circuit de sécurité. Vous remarquerez également que la plupart des connecteurs du câblage de l'ABS sont de couleur orange, ce qui permet de les identifier facilement lors du dépistage des pannes. N'oubliez pas que lors du démarrage d'une voiture équipée de l'ABS, le modulateur produit parfois un déclic caractéristique. Cela est dû au fonctionnement des électrovannes montées dans le modulateur et n'a rien d'anormal. Le système ABS 6 affiche ses codes de diagnostic sur le tableau de bord en faisant clignoter le témoin d'ABS. Lorsque le module de commande électronique détecte une panne, le témoin d'ABS s'allume et reste allumé. En pareil cas, le système de freinage continue à fonctionner normalement, mais l'anti-blocage de roue est hors service. Pour que le témoin affiche le code de diagnostic, il suffit de connecter un pontage au connecteur de service à deux broches et de mettre le contact. Le témoin s'allume pendant une seconde, puis s'éteint pendant deux secondes avant de commencer à clignoter pour indiquer le premier code de diagnostic, après quoi il marque une pause de cinq secondes avant de répéter le même code ou d'indiquer un second code. Le système peut mémoriser jusqu'à trois codes de diagnostic en même temps. Vous trouverez l'index des codes de panne dans la section ABS du manuel de réparation. Pour effacer la mémoire du module de commande électronique, il suffit de retirer le fusible ABS 15A du boîtier de fusible placé sous le capot et d'attendre au moins 3 secondes avant de le reposer. Vous pouvez également tester l'ABS à l'aide des systèmes MicroCheck et Microlink. Lorsque vous le faites, suivez toujours à la lettre les instructions fournies par MicroCheck. Enfin, le frein de stationnement est réglable et il convient de l'ajuster si le frein n'est pas serré à fond lorsque le levier est tiré de 7 à 11 crans. Revoyons les points essentiels de la direction, de la suspension et du freinage. Toutes les Rover 600 sont équipées d'une direction assistée progressive qui utilise du liquide hydraulique pour direction assistée Unipart. Une suspension à double triangulation a été adoptée à l'avant et à l'arrière de toutes les 600. L'angle de chasse de la suspension avant est réglable. Le dessin de la fusée de suspension arrière a permis d'élargir le volume du coffre. Tous les bras de la suspension arrière sont identifiés en fonction de leur position. Le parallélisme des roues arrière se règle au moyen des vis de fixation du bras arrière le plus court. L'anti-blocage utilisé est le système ABS-6. La plupart de ces connecteurs électriques sont de couleur orange. Le système ABS-6 comporte un dispositif d'autodiagnostic transmis par le connecteur de service et affiché sur le tableau de bord. Enfin, le frein de stationnement doit être serré à fond lorsque le levier est tiré de 7 à 11 crans. Voyons maintenant un autre dispositif de sécurité important disponible sur certains modèles de reversissants, le système de retenue supplémentaire ou airbag. L'airbag agit conjointement à la ceinture de sécurité pour protéger le conducteur en cas de condition frontale lorsque la force de l'impact dépasse son seuil de déclenchement. La gamme 600 est dotée du système SRS-2 qui est complètement nouveau pour Rover, et contrairement au système SRS actuellement disponible sur les rovers 800 qui est constitué de composants séparés, ce système incorpore tous les composants dans une même unité intégrée au centre du volant. Le sac lui-même est réalisé en nylon enrobé à l'intérieur de caoutchouc, et il se gonfle à sa pleine capacité de l'ordre de 40 litres en 30 millièmes de seconde environ. Le sac comporte deux gros trous à l'arrière, par lesquels il se dégonfle presque aussi rapidement qu'il se gonfle. Cela maximise son effet d'amortissement et contribue à freiner le mouvement du corps. Le système SRS comprend également des systèmes de secours qui renforcent la fiabilité de l'airbag et un système d'autodiagnostic qui informe automatiquement le conducteur de la présence d'un défaut dans le circuit de l'airbag. Pendant le fonctionnement normal, le témoin SRS s'allume sur le tableau de bord lorsqu'on met le contact. Il s'éteint après environ 6 secondes. En même temps, une LED rouge montée à l'intérieur du boîtier SRS, visible uniquement lorsqu'on enlève le couvercle situé sur le côté gauche du volant de direction, clignote pour confirmer que tout est en ordre. Si une panne se produit, le témoin SRS s'allume et reste allumé, et la LED susmentionnée clignote pour indiquer le code de diagnostic. En cas de panne, il est vivement conseillé de vérifier le système le plus rapidement possible et d'y remédier. Cela s'applique également dans le cas où le témoin SRS ne s'allume pas lorsque l'on met le contact. Toutes les reversissants sont équipées d'un système d'alarme périmétrique ultra perfectionné qui les protège contre toute mise en dérivation, ou utilisation abusive du contacteur à clé et contre toute effraction commise sur l'une des portes, le capot ou le coffre. Le système est automatiquement préarmé lorsque le véhicule est verrouillé en utilisant la clé sur l'une des portes ou sur les véhicules équipés de la condamnation à distance en verrouillant le véhicule à l'aide de la télécommande infrarouge. À ce propos, la télécommande infrarouge ne peut pas être reprogrammée à l'aide de micro-check. À ce stade, les témoins du système d'alarme montés à côté des boutons de condamnation des portières avant clignotent lentement. Les témoins ne clignoteront pas et l'alarme ne sera pas préarmée si une des portes, le capot ou le coffre est resté ouvert ou si l'on a verrouillé le véhicule et laissé la clé sur le contact. Si le véhicule est bien fermé, après 15 secondes, le système passe de l'état préarmé à l'état totalement armé. À ce stade, les témoins qui clignotaient lentement se mettent à clignoter de façon rapide. Ce clignotement confirme que l'alarme est totalement armée. Et pour renforcer le rôle de dissuasion, ce clignotement se poursuivra jusqu'au désarmement du système. Une fois le système armé, l'alarme est déclenchée en cas d'effraction commise sur une porte, le capot ou le coffre, si l'on touche à l'un des boutons de condamnation de portière, si l'on tire sur le levier d'ouverture du capot ou du coffre, si l'on met le contact, si une alimentation contact est détectée, ou si l'on déconnecte puis reconnecte la batterie. Lorsqu'il est déclenché, le système d'alarme actionne son avertisseur sonore et fait clignoter les feux de détresse pendant environ 30 secondes avant de s'arrêter. Après l'alarme, il restera totalement armé et après une autre pause d'environ 30 secondes, il se déclenchera de nouveau s'il détecte un autre signal non autorisé. Pour des raisons pratiques, l'accès au coffre est permis même lorsque l'alarme est entièrement armée, à condition que l'on utilise la clé pour l'ouvrir. Il est important de noter que cela ne désarmera pas l'ensemble du système d'alarme qui continuera de protéger le reste du véhicule. La protection du coffre sera remise en fonction dès que le couvercle sera refermé. Enfin, le système est entièrement désarmé en déverrouillant le véhicule à l'aide de la clé sur l'une des portes avant ou à l'aide de la télécommande infrarouge. Récapitulons cette section du programme. Certains modèles de la gamme Rover 600 sont équipés du système d'airbag SRS2 pour protéger le conducteur. Le témoin SRS s'allume sur le tableau de bord en cas de panne dans le circuit de l'airbag. Toutes les Rover 600 sont dotées d'un système d'alarme de type périmétrique. Des témoins situés à côté des boutons de condamnation des portières avant clignotent pour confirmer que le système d'alarme est armé. L'accès au coffre est possible sans avoir à désarmer l'alarme. Pour conclure, nous aborderons brièvement quelques autres caractéristiques particulières à la gamme Rover 600. De nombreux panneaux de carrosserie sont zingués pour offrir une meilleure résistance à la corrosion. La carrosserie comporte des barres d'impact latérales en acier de forme tubulaire soudées dans les quatre portières pour améliorer la protection des occupants du véhicule. Un grand nombre des pièces de carrosserie en plastique sont recyclables et comportent des repères gravés qui indiquent exactement le type de matière plastique qui les compose. Enfin, pour toute information détaillée sur les composants et sur le véhicule, ou pour les instructions détaillées y trait aux révisions d'entretien et aux réparations, veuillez vous référer au manuel de réparation de la gamme Reversissant.